vous invitons à prier. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cher Père Céleste, cher Père d'amour, nous te disons au fond de cœur merci. Tata Nabiso, Tata Bolingo. À nouveau, nous sommes venus te louer et te glorifier. Cette occasion, tu nous as donné cela. À travers les différents kilomètres et des ondes, nous pouvons ensemble te dire combien tu es grand. Nous pouvons louer ta connaissance. Et nous pouvons louer ta présence et proximité. Cela nous emplit avec aussi une profonde reconnaissance. Nous avons compris, nous comprenons de mieux en mieux combien tu nous aimes. Tu réponds quand nous demandons des choses. Et tu es toujours là pour nous protéger, pour nous garder et pour nous conduire. Nous nous sentons continuellement dans le creux de ta main. Et même dans nos peines et dans nos pleurs, nous pouvons dire que tu ne nous as pas abandonnés. Plus particulièrement, en ces moments, nous sentons combien aussi tu nous soutiens. À travers la parole, Nanzela ya maloba, à travers un qui va devant nous, liboso ya moko o azo kende liboso na biso, à travers un frère ou une sœur, Nanzela ndeko moko a mwasi to a mobali, inspiré par ton esprit qui à nouveau nous donne de l'espérance. Qui nous soulève et nous permet de traverser ces moments. Et à nouveau, dans la joie, nous pouvons progresser sur le chemin de notre foi. Merci pour ce que tu as donné, nos familles, nos bien-aimés. Merci pour notre apôtre patriarche et les frères et sœurs avec qui nous pouvons travailler et œuvrer. Pour l'aide que tu as donnée à nos enfants, nos parents. Et à nouveau, nous voulons toquer ensemble sur ta porte. Pour te dire, nous sommes toujours là. Et ici et là, on a toujours besoin de toi. Nous ne voulons pas paraître comme des mendiants. Mais cher Père Céleste, auprès de qui voulons-nous aller? Seulement auprès de toi, ton Fils, ton Esprit. Car en cela, nous avons espérance que tu peux guérir et aider ceux qui sont affligés. Consoler ceux qui sont attristés et dans le deuil. Conduire par ta lumière ceux qui ont besoin, ceux qui sont perdus. Et redresser ceux qui ont trébuché, ceux qui ont des difficultés. À nouveau, donne ton aide et ton soutien pour ton peuple. Nous pensons à ceux qui se sont affaiblis et ceux qui se sont éloignés de l'autel des grâces. Permets là aussi que nous soyons des outils dans ta main. Et avec ton aide, on peut aussi les remettre ou aider à ce qu'ils reviennent sur ce chemin. Nous pensons aussi à nos bien-aimés de l'au-delà, permet avec eux l'unité et communauté de pensée.
Tozo kanisa boya biso abolingo amboka ngam pesa biso zelete tozana bomoko amakanisi. Que l'atmosphère d'amour qui nous entoure nous permette tous à avaler ta parole. Bongo zika zika na biso ezala bolingo oko pesa biso zelete tomela lisusu maloba na yo. Et à nouveau recevoir force. Nous voulons être un avec notre apôtre patriarche. Avec nos apôtres, nos évêques. Avec chaque frère de ministère, chaque sœur qui œuvre. Et dans cette unité ancrée sur le roc de notre foi. Nous puissions persévérer jusqu'à la fin. Bongo tokoba tina suka. Permets ton esprit maintenant de nous parler. Et sans hélas, que ce ne soit que sur l'inspiration de ton esprit que nous puissions écouter ta voix. Prépare nos cœurs aussi pour dimanche prochain. Sanctifiez-nous. Nous te demandons tout cela au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes bien-aimés en Christ, chers frères, chers sœurs, nous sommes heureux d'être ensemble. Et en préparation pour dimanche prochain, préparez aussi nos cœurs et nos âmes. Par une parole qui nous est donnée en Ésaïe, 32e chapitre, les versets 14 et 15. Le palais est abandonné, la ville bruyante est délaissée, la colline et la tour serviront à jamais de caverne. Les ânes sauvages y jouent, les troupeaux y pèteront, jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. Bako sundola bandako katia ville oyo yaminene, ville oyo atonda kina bato akotika la pamba. Etenya ville oyo batonga makasi nanda kona yango ya molayi ekokoma libela mabele ya pamba oyo bapunda ya zamba ekozala kosakana pe bameme ekozala koya kolia wana kasi mokolo ezali yawe akotondisa biso na molimo na ye mabele oyo ezalaki kobimisa biloko te ekobanda kobota banzete ya mbuma ya kolia pe banzete ya mbuma ya kolia ekotondana na bilanga na biso lokola samba. Jusqu'à la pleine place et les choristes vont nous chanter un cantique. Tiwana tozwa biska tovanda pe bayembi bapesa biso zembo. Bien-aimés en Christ, chers frères, chers sœurs, chers invités.
Encore une fois, nous voulons vous souhaiter une cordiale bienvenue. Et nous sommes toujours reconnaissants que nous ayons cette occasion d'être ensemble malgré le temps qui parcourt. À la fois, nous sommes venus pour recevoir force et lumière. Et nous sommes venus aussi pour préparer nos cœurs pour dimanche prochain. Si Dieu permet, nous allons recevoir une parole de notre apôtre patriarche. Et c'est pour cela qu'on se prépare déjà. Au cours de la semaine, un prêtre nous a démontré l'exemple. Lorsque les joueurs sont en train de jouer dans l'équipe, et ils sont sur l'attaque, ils veulent marquer un but. Et quelqu'un qui reçoit une passe. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Très souvent, il regarde celui qui a passé le ballon, il est déçu, il met les mains sur la tête. Mais très souvent, c'est à cause de celui qui recevait la passe. Soit il n'était pas dans une bonne position, entouré de la défense, il ne pouvait rien faire même s'il recevait le ballon. Et s'il n'y attendait même pas, il s'est venu au dernier moment, ça lui a touché sur le bras ou rendu le passe inutile. Où il était hors jeu. Et là, tout l'effort, ça ne servait à rien. Mais parfois, il est en bonne position, il est prêt. Il reçoit. Et il accomplit quelque chose. Et tout le monde est dans la joie. Nous recevons de l'Esprit Saint. Une parole, ce dont nous avons besoin. La passe, je dois dire, est parfaite. Maintenant, ce que nous en faisons, ça dépend de nous et notre préparation. Parfois, nous sommes hors jeu et ça ne sert pas à grand chose. Nous pouvons blâmer, oh, le prêtre il a mal parlé, j'étais distrait, je ne pouvais pas suivre, j'avais les difficultés. Mais si on est honnête en soi-même, on doit se demander, est-ce que moi j'étais prêt pour recevoir ça? Et si je l'ai reçu, qu'est-ce que j'ai fait avec? Tout a trait à la préparation. Cela m'a touché particulièrement en ces moments où nous recevons les services divins, parfois à la maison. Et la transition entre la vie quotidienne et le service divin est très courte. Il y a très peu de préparation. On court, on se met devant l'ordinateur, la télévision, on l'allume, vite on se met là. Un service divin normal, peut-être on doit penser en avant, on doit prendre le bus, on doit marcher, on doit s'habiller, on doit se laver, et même si ce n'est pas conscient, on se prépare en quelque sorte. Même là, nous voyons de temps en temps un frère ou une sœur qui arrive au dernier moment, même parfois, je dois dire, même pour moi, le serviteur, on arrive en retard. Mais de plus en plus, nous faisons un effort pour être là un peu de temps avant de chanter et ou écouter deux ou trois cantiques de nous. Sanctifier dans la prière, de préparer notre cœur. Et là, nous recevons la passe.
Et nous recevons le ballon et puis nous pouvons faire quelque chose avec, soit pour notre propre âme ou l'âme de notre frère ou sœur en besoin. Bongo tangu toko yamba ndembo oyo tokoki kosale loko a malonga tangu susupona biso moko mais atako pona ndeko a mwasi to mobali o akokozala na mposa. C'est pour cela, pour chaque service divin, en particulier pour dimanche prochain, nous voulons préparer notre cœur, nous sanctifier, et vous allez voir, ça va être parfait. De yango wana pona losambo nyoso mingi mingi pona losambo ya yengezali kwa liboso esengeli na biso tomi santisa tomi bongisa pe bongo tangu toko yamba ndembo tokosale loko pe tokomone ke kozala ya moto. Le texte biblique que nous avons lu tout de suite, c'était quelque chose écrit il y a des milliers d'années. En Ésaïe, le prophète décrit une situation qui est étrange, mais pour nous, c'est aussi assez intéressante. C'est une situation que nous avons vue ces derniers jours. Il décrit une ville à l'époque qui était bruyante et mouvementée, bien, et tout d'un coup, il y a une transformation. C'est vide. D'ailleurs, à la place des personnes, on voit des animaux qui commencent à ronger l'herbe, qui commencent à se promener librement dans la ville. Et si vous allez au centre-ville à Kinshasa, c'est assez étonnant. Avant, ça grouillait. Maintenant, il n'y a presque personne. Soko qui na centre-ville na biso awa na kisasa na biso okobone te ezokamwisa liboso ezalaki bato ebele kotambola tambola kasi siko ezali kimia bato bazali. Et nous voyons ces images à New York, à Paris, ailleurs où c'était avant plein de vie, maintenant le désert. Tozali komona bilili oyo na New York, na Paris pe na bamboka mosusu liboso ezalaki na bomo makasi bato ebele kasi siko bato bazozanga. Bon, ça c'est à cause de la situation, le virus que nous sommes en train d'adresser. Wana ezali pona maladie oyo tozali komona nyamo ya mabe azali koboma bato. À l'époque, Ésaïe décrivait une ville, on ne sait pas trop quelle ville, peut-être Babylone. Na ntango wana Ésaïe azalaki kolobela mboka tebite mboka nini peza mais tango mosusu Babylone. Mais plutôt une situation où les enfants de Dieu étaient actifs, ça marchait très bien, et puis tout d'un coup, rien. Mingi mingi eloko akolakisa ete bana ya Nzambe bazalaki kosala mosala makambo nyonso ezotambola malamu mais na nsima mongonga mbala moko nyonso ekatani. À cause de la désobéissance ou d'autres causes ou l'éloignement de Dieu, la ville est devenue comme un désert. Likolo ya bozangi botosi tope kozwa mokano ya kokende mosika na Nzambe bongo engomba ezangi bato. Et à la place de la vie humaine, on voyait la vie animale qui prenait sa place. Bongo na bisika ya bomo ya bato bomoni ete bomo ya banyama nde ezwi bisika. Et tout ce que l'homme a construit, considéré comme essentiel et important, est devenu presque nul. Nyonso wana bato batongaki ya kitoko ya ntina mpo na bango ekomi na ngonga moke makambo ezanga ntina. Et nous voyons que cela a touché non seulement les habitations des simples, de vous et de moi, mais même des riches, ceux qui habitaient dans le palais étaient touchés. Ozomonete makambo yo esimbaki kake komelaki kaka bato bazalaki na banda kwa mikete lokola ya biso na bino mais na banda kwa te minene tongama na ba befelo ya milai ekoyelaki pe makambo. Ésaïe utilise cette image afin de pouvoir décrire aussi les circonstances qui prévalaient à son temps. Ésaïe azali kolakisa bililingi oyo pona kolakisa polele makambo yo ekomaka na tango na ye. Et puis c'est assez intéressant, si vous avez le temps de lire Ésaïe 32, mais il décrit aussi ce qui vient quand l'esprit vient et infiltre à nouveau. Bongo bokomona malamu soki bokozwa ngonga ya kotanga Ésaïe oyo na mokapo nango ya 32 bokomona ete ekoloba ete molimo epesi nzela ete makambo mosusu ya sika eya pe eyingela. Et cela devient une ville de paix, une ville de justice. Pe yango ekokoma mboka ya pole pe mboka ya bosembo. Et là on parle en quelque sorte de 1000 ans de paix et de ce que Dieu a prévu après. Et wana bazolobela na elilingi mosusu koto yoko ya kimia pe manyoso nzamba abongisi mpona nsima. Mais c'est aussi utile cet exemple en préparation de la Pentecôte. Ezali pe ntina
Bongo elilingi oyo pona bobongisami ya losambo ya bokiti molimo mosantu. Rappelons-nous, il y a 2000 ans, les disciples, les apôtres étaient frustrés, étaient dans une autre situation. Donc en samalamu mibuko to ibale seleka bantoma bazalaki na mawa bazalaki na lolenge oyo esengela kite. Cependant, de notre Seigneur Jésus, ils ont reçu une promesse: rassemblez-vous, restez à une place bien fixe. Zokande na zela nkolo na biso Yesu bango bazwaki elaka ya koloba botika lesika moko bosangana. En Actes des Apôtres, premier chapitre, ils ont reçu cette promesse: l'Esprit vient. Et ils ont respecté et Dieu a permis à ce que cet esprit vienne. Et ça a accompli quelque chose de merveilleux. Ça a fait toute une transformation. Et bongo la ki peza. De ceux qui étaient auparavant peureux et déçus. Rappelons-nous de deux que nous pouvons lire en Luc 24 qui marchaient, qui parlaient combien ils étaient déçus. Donc quand ils savaient que l'eau va aller, nakata mukanda, l'eau kana mukapoya, tout comme ils balaient na mine, bazalaki kotambo la balobi balembi. Leurs attentes, ce qu'ils espéraient, comment ça a été éclaté. Ils ont quitté Jérusalem, maintenant tout déçus, pour aller chez eux. Et les autres qui avaient peur, ils se rassemblaient, se cachaient dans les chambres. Ils ne savaient pas quelle allait être la réaction. Et cela après la résurrection de Christ. Et ça a persisté même après l'ascension de Christ. Mais quand l'Esprit est venu, c'est là où ça a fait une transformation. Et transformer ces gens peureux à ceux qui étaient pleins de courage. Ceux qui pouvaient à peine se présenter en public n'avaient pas de difficultés, ils allaient maintenant. Et parlaient haute voix avec courage. La seule chose qui a fait la différence en ce moment, c'était l'effusion de l'esprit qui a permis cette transformation. Et loko oyo esalaki bokeseni na ngonga wana kaka bokiti ya molimo mosantu oyo ebongolaki makambo nyonso. Ils ont reçu le courage. Numéro 2. Il y avait la multiplicité de langues. Les gens qui venaient de partout, d'Égypte, de Jérusalem, mais de Rome, de Libye. Chacun avec leur langue à eux. Écoutez l'évangile qui était parlé de façon qu'ils pouvaient comprendre. Et ce qui a permis à ce que ceux qui étaient des différents peuples puissent écouter le même message. Ensemble pouvaient être édifiés, être fortifiés. Recevoir ensemble la lumière. Et transformer des différentes personnes en un seul peuple. Donc ça a fait de plusieurs un. Et ça là qui n'a pas tué comme moko. Et en troisième chose, l'effusion de l'esprit a donné la joie. Et loko ya misatu pour kiti ya molimo mosantu et pesa ke sengo. Numéro 1, parce que la promesse donnée par le Seigneur est accomplie. Et loko ya liboso et la konkolo a pesa ki et kokisamaki. Joie parce que cette promesse, ils ont pu vivre ça. Et loko mosusu esengo wete ba bikaki et la ka oyo. Joie parce que l'esprit est entré en eux, ils voyaient cette transformation. Esengo kwete molimo ekotaki kati na bango pe ba monaki mbongwana. Joie parce que l'impossible où plusieurs peuples étaient différents et dispersés pouvaient être un. Esengo kwete ebele ya bande ko ba bazalaki ya bikolo ya kokesena ba kokaki kondi ba kokoma moto moko. Alors c'était la naissance de première église apostolique. Et première église chrétienne, ce qui était impossible. Chaque personne avait sa croyance, sa dénomination. Et
là, des différentes sources, ils sont devenus un, une seule église. Ça, c'était l'efficacité de l'Esprit-Saint. Et nous pouvons utiliser la comparaison donnée par Esaïe. Le désert est devenu comme un verger. Un verger, c'est quoi? C'est un champ où pousse de fruits et de légumes, des choses qui sont utiles. Et langa oyo ezali wapi esika banzete ezobota bambuma ezali pe banzete ndunda esika ezali ntina pona bato. Une place inutile devient une place utile. Et si quoi ezala kitina te et comme esika tina. Et une évolution maintenant, la place utile, fruits et légumes maintenant devient une forêt. Makambu oyeza tina ezali kokende liboso esika ezala kinzete ya mbuma et comme izamba monene. Dans l'exemple d'Esaïe, la forêt est l'idéal. C'est qu'aujourd'hui on protège les forêts, ça devient à la une. Bien, nous avons raison dans la forêt, ceux qui sont entrés dans une forêt. Trouve de l'ombre. Sont frappés par le soleil. Ils peuvent trouver tout ce dont ils ont besoin. Il y a la fraîcheur. Il y a tout ce qu'il faut manger, légumes, même les animaux. Vous avez de quoi construire une habitation. Tout ce que l'homme a besoin se trouve dans la forêt. L'Esprit Saint fait en nos jours cette transformation. Parce que nous pouvons vivre, être ici-bas, dans un désert. On peut dire non, mais il y a beaucoup de monde. Nous ne sommes pas seuls. Même si en ces moments nous avons l'isolement, le confinement, oh, la famille est ensemble. Mais nous pouvons être ensemble, mais il n'y a pas la vie. Vous pouvez avoir dans la famille 12 enfants, mais la vie, la croissance n'est pas dans la famille. Le coco peut être là entouré des enfants, mais personne ne parle, il est isolé, il est seul. On dit papa, ça va, c'est bien. Mais on n'entre pas en profondeur. Tu peux être à l'école dans ta classe entouré d'une centaine d'autres étudiants. À l'université, mais te sentir comme les apôtres, seul, isolé, pas compris. Déçu, je croyais qu'il y avait plus que ça. Un couple peut être ensemble. Mais ils ne sont pas ensemble. Le couple, la relation, c'est un désert. On parle, mais on ne parle pas. Il y a une conversation, mais il n'y a pas la vie. L'Esprit vient transformer ça. Et permettre afin qu'à nouveau, dans la famille, dans le couple, dans notre entourage, il y aurait la vie. Et puis sans cela, mon limo yanzambe était nakati alibota, nakati alisanga babalani, topé na bisiko to vandaka, pomoyé kota nakati. De ce désert jusqu'à un verger, jusqu'à une forêt. Bongo mbongwana, oya kolongwa na bisika bokauki, et koma bilanga, oyeza na bambuma. Pesi manangwe bongwana lisuse koma samba munene. L'Esprit en nous, l'amour nous pousse à être ensemble. Cherche une communion fraternelle. Cherche à s'entendre. C'est comme Paul aussi en 1 Corinthiens 9. Avec les Juifs, avec les Romains, avec les pauvres, avec les riches, ils se faisaient comme eux. Les autres disent oui, caméléon spirituel. Oui, c'est pas mauvais, caméléon. Mais il restait ce qu'il était.
Il était apôtre. Azala Kintoma. Enfant de Dieu, rempli de l'esprit. Mwana yanzamba tondisami na molimo. Mais l'esprit le permet à pouvoir adopter et s'approcher à l'un et l'autre. Mais molimo ndezala kopesa ye makoki ya kopusa na pembeni ya moko to mosusu. Pas pour ses propres besoins. Bien. Pona bolamu na ye mokote. Mais afin que le salut puisse être apporté à plusieurs peuples dans plusieurs circonstances. Zokande polobiko ekomela na bato ya lolenge na lolenge pe na bisika pe na ntango ya lolenge na lolenge. C'est l'esprit qui permettra la transformation. Molimo de moteko pesa nzela te mbongwane kota. Je ne parle pas d'être riche, d'être même en bonne santé, mais je dis d'avoir à nouveau la vie. Nazolo bate pona kozala na bozwe belé, kozala na nzoto kolongonu, mais nazolo ba kozala na bomoy. Là où la vie n'existe pas. Sika bomoy ezozanga. Où on fait semblant de la vie mais ce n'est pas la vraie vie. Atubazo sala lokola bomoy ezali mais zoka bomoy ezate. L'esprit de nos jours nous pousse à parler de notre foi. Molimo na mokolo na lelezo tindika biso to lobela bondimi na biso. Et je sais que ce n'est pas facile pour les uns et les autres. Na ebiete zali petete pona mokoto mosusu. Comment réallumer le feu? Comment mettre à nouveau dans notre famille ou parler de la foi? Ndengani ni kopelisa lisusu moto na kati ya libota na biso kolobela likambo ya bondimi na biso. Je ne sais pas comment dire, je ne connais pas la Bible, je ne suis pas expert dans tout cela. Ngai na za moto amaele kolekate na makambo ya Biblia, na ebi Biblia kutu malamu te. Ne vous en faites pas, Matthieu 10, le Seigneur a promis. Ne vous en faites pas, parle seulement. L'esprit va vous aider. Notre frère, notre soeur se trouve dans un désert, il a perdu quelqu'un. Il est en deuil. Ndeko na biso amwa sito amobali azana kati ya biskabi ka ukipoete abungisi ndeko azana matanga. Et on se dit mais moi je ne peux pas aller, je ne sais pas quoi dire. Ozoloba na kokoka kokendete poete na ebite na koloba nini. Ils chercheront ça, moi je n'ai pas ça, qu'est-ce que je peux offrir? Bakoluka mwa makoki ambongo mengana azana ngote nini na kopesa. Le jeune inconfortable, ne sait pas comment dire. Naze lenge nazo kokate na koloba nini. Allez. Kende. Appelez. Benga. Parlez. Loba. Vous allez trouver que l'esprit vient. Okomonete molimo ekoya. Ça a poussé. On peut lire encore un deuxième acte. Tokoki kotanga lisusu na mokapo ya mibale ya misala ya bantoma. 37, là où ils ont reçu la parole. Na verset 37 esika bayambaki maloba. Et entre eux ils ont dit oh, homme, frère, qu'est-ce que nous allons faire? Katikati na bango balobi bande kwa mibali nini tokoki kosala. Et avec cette énergie de l'esprit, nous voulons parler de notre foi. Mezoka na bokasi oya molimo mosantu balobi tolingi kolobela molimo na mosala na biso. À l'école, à la famille. Na kati ya eltelo tope na kati ya libota. Je ne veux pas dire de marteler l'évangile. Montrons l'amour. Montrons l'espérance, les différents fruits de notre verger, de notre jardin. Amour, joie, paix, patience, bonté. Bienfaisance, la fidélité, maîtrise de soi. C'est ça qui est dans notre jardin. Et que nous allons utiliser. Ça, c'est le troisième, peut-être, efficacité de l'esprit. Ça provoque la joie et la confiance. Celui qui plante un jardin. Bien sûr, c'est beaucoup de travail, des soucis. Mais quand ça produit le fruit, ça donne la joie. Et ça procure pour la famille ou bien la ville ou la population la confiance. Ezali kobota na kati ya libota, tope na kati ya lisanga na mboka esengo. Parce que j'ai planté. Nous avons une certaine confiance. Tout vient de Dieu, mais nous sommes assurés. Nalonaki tozali na elikia, menzoka nyose ko utake pa nzambe, elikia ko kozala ya malonga. Ici par le canal de l'esprit, nous avons ensemencé notre verger au sein de notre famille. Nanzela molimo mosantu ndeto sali kone ya malonga na elanga na biso na kati ya libota. Notre communauté et ce verger ou cette forêt. Lisanga na biso yango nde ezali lisanga ya babilanga oyo ezokoma zamba monene. Au moment où c'est chaud dans la vie courante, nous avons des difficultés, nous avons soif, nous courons vers la forêt. Esika oyo komi moto na kati ya bomoi na biso mokolo na mokolo na ngombe esika tovandi tozokimela kozwa malili na zamba. Cela devient un lieu de paix, de joie,
de confiance et de, où on peut être à nouveau ressuscité. Et comme Yesika ya Kimia, ya Isengo, otoko kocha motema, petozo monete tozo se kwa lisusu. Et ce qui était désert est transformé en forêt. Oezala kibisika bikauka et bongwa mina zamba monene. C'est ça que nous fêtons dimanche prochain. Nde yango maitoko sepela na eyengo e kwa liboso. Et qui nous pousse à être profondément reconnaissants. Nde yango ezo tindi kabiso to tondi sama na motema ya batondo. Envers notre Père Céleste qui nous donne cette possibilité d'être enfant de l'esprit. Amen. Amen. Nous, aujourd'hui, sommes ensemble avec l'apôtre Makaya. L'amabilité de venir nous servir à la canal de l'esprit. Et la chorale va interpréter une cantique. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est avec beaucoup de joie qu'on s'approche de l'autel de grâce. Au moment où nous attendons la Pentecôte à venir, nous sentons déjà la chaleur de l'Évangile. La présence du Saint-Esprit dans l'humanité crée toujours des répercussions. On a vu ça aux apôtres de la première époque. Au début, ils avaient peur. Ils étaient déçus. Ils ne pouvaient pas se présenter devant le public. Mais quand le Saint-Esprit descendit sur eux, ils avaient la force et le courage de se présenter devant leur public. Ils ont même prêché avec beaucoup d'autorité. Le discours de l'apôtre Pierre a marqué tout le monde. Même s'il y avait une certaine division entre les uns et les autres,
Mais finalement, il y a des gens qui se sont ajoutés à la foi de l'évangile. Nous avons parfois peur, bien honte, de rendre témoignage de notre évangile. Parfois, on a honte de joindre les mains pour prier. Mais le Saint-Esprit qui est en nous enlève toute cette honte-là. Et nous pousse à prier avec force. Nous parlons de l'évangile que nous avons reçu. Nous invitons les uns et les autres à se joindre à nous. C'est ça qui crée la communion entre le peuple de Dieu. L'autre répercussion, c'est la diversité des langues. Comme il y avait beaucoup de peuples à Jérusalem à ce temps-là, quelle est la langue qu'il fallait utiliser pour que tout le monde comprenne l'évangile? Et c'est le Saint-Esprit qui a créé la multiplicité des langues pour que tout le monde puisse entendre l'évangile dans sa langue maternelle. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14, verset 6, l'apôtre Jean avait vu un ange qui volait par le milieu du ciel. Thomas Jean a monaki anzelu ozalaki kopepa bongo na katikati ya lola. Cet ange avait en lui l'évangile éternel. Anzelu ozalaki na kati na yende na sangwela mu ya seko. Il prêchait l'évangile à toute nation. Azalaki kopesa kopanza sangwela mu na bikolo nyoso. À toute tribu. Na baboto bamboka nyoso. À toute langue. Na bato minoko nyoso. Et à tout peuple. Pe na bato nyoso. Voyez que l'évangile éternel concerne tout le monde. Ozomone te sangwela mu ya seko ezali po na bato nyoso. À toute période. Ezali po na ntango nyoso. Même ceux qui sont dans le séjour des défunts. Atabaye oyo bazali na mboka ngambo. C'est un évangile éternel qui doit sauver l'humanité. Et c'est le Saint-Esprit qui donne accès à tout le monde pour qu'il reçoive cet évangile. C'est une très bonne répercussion du Saint-Esprit dans l'humanité. Le Saint-Esprit crée aussi la joie. La joie à l'accomplissement des promesses divines. Entre nous les hommes, il y a une certaine méfiance. Quelqu'un peut promettre à l'autre de faire quelque chose. Il a la volonté d'accomplir sa promesse. Mais devant certaines contraintes, il a vraiment des difficultés pour réaliser ce qu'il a promis. Ce que Dieu a promis à l'époque du prophète Esaïe, on a vécu son accomplissement le jour de la Pentecôte. Nous continuons à vivre cet accomplissement jusqu'aujourd'hui. Et notre joie, c'est d'attendre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Christ. Toujours dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, verset 7. L'Esprit Saint nous demande de nous réjouir et d'être dans l'allégresse. Car les noces de l'agneau sont déjà apprêtés. L'épouse est déjà préparée. Nous devons nous préparer en cet accomplissement-là. Parce que nous sommes invités à prendre part aux noces de l'agneau. Nous devons utiliser le Saint-Esprit qui nous pousse à avoir le courage d'affronter ce qui est devant nous. To sale la kaka molimo mosantu pwete ya kotindi kabiso pwete tozala na bokasi ya ko ya ko bundana mayo ezali boso na biso. Et nous saurons prendre des décisions utiles devant notre Dieu. Bongo to koyeba kozwa mikano oyo esengeli liboso ya Nzambe na biso. Et tout cela se fait dans la crainte de Dieu. Nyoso anezo sala mana bobangi ya Nzambe. Si dans le livre de prophète Esaïe on parle des déserts qui
qui change en une grande forêt. Ce qui n'a qu'à dire mon canard prophète Esaïe, balobeli likambo etali et sobe oye bongo mina zamba monene. Mais aujourd'hui nous voyons des grandes forêts qui se transforment en désert. Mais au candé le loto komi komo na bazamba minene et zo bongo na koko ma biska bikauka. Peut-être parce qu'on est en train de couper les arbres. Tant mususu pote bazo kata banzete. Ou bien on est en train de convertir ces milliers-là. Mais ce que Dieu a promis, là où il y a le désert, il va les transformer en grande forêt. Et c'est ça la richesse de notre foi et de notre espérance. Pour les jours de retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes bien-aimés, pour récupérer une forêt, comme l'apôtre a dit, il faut planter. Il faut planter les arbres, il faut protéger. Et c'est ça que nous sommes inspirés à faire. On peut dire tout est dans la main de notre Père Céleste. Mais nous voulons être des instruments dans sa main. Il a besoin de toi et moi. Il m'a donné, il t'a donné son esprit. Pas tout simplement en honneur, mais afin que nous fassions quelque chose avec toi. Et c'est ça notre désir. Quand j'ai lu ce matin l'image que Esaïe a dessiné de la ville abandonnée. Mon pensée est venue aussi pour nos communautés qui en ces moments sont un peu abandonnées et peuvent ramasser maintenant beaucoup de poussière. Être envahi par des herbes. Je pense que nous pouvons quand même y aller. Nous ne sommes pas interdits pour aller nettoyer. Un apôtre à l'est du pays a parlé de cette nécessité et nous sommes tout à fait d'accord. Rien n'empêche à ce que toi et moi nous allons à la communauté regarder si c'est là, si en difficulté, et faire quelque chose. Pour nettoyer, pour réparer, que ce soit prêt lorsque les activités recommencent. À nouveau, c'est quelque chose que nous pouvons faire par amour de l'œuvre, par amour de notre communauté et de notre frère et soeur. Nous voulons nous préparer aussi pour recevoir le pardon de péchés. L'exemple au début, le Seigneur va nous donner une passe maintenant. De pardon. Maintenant, ça dépend de notre position. On peut être hors jeu. La tête ailleurs, ces paroles passent et ça n'aura aucune efficacité. Nous pouvons nous préparer malgré nos imperfections afin de recevoir ce pardon convenablement avec le pardon, pouvoir pardonner les autres, parvenir à atteindre de plus en plus la perfection requise par notre Seigneur Jésus-Christ. La préparation, ce n'est pas facile. Nous disons souvent, surtout pour nous les hommes, ces paroles qui sont difficiles à prononcer. Les sœurs, ils le disent plus facilement. Numéro 1, je t'aime. C'est très difficile pour l'homme de le dire. Pourtant, nous sentons cet amour comme toute autre personne. L'autre parole difficile, c'est ma faute.
On est très vite à dire ça, c'est la faute des autres, pour dire que c'est ma faute. Ça prend un certain courage. Mais l'esprit nous donne ce courage maintenant. Admettre, le dire. Et le troisième mot, difficile parfois. Pardonne-moi. Parce que cela implique que la faute est à nous. Mais ça fait partie de la préparation. Nous pouvons le dire facilement dans la prière auprès de notre Père Céleste à huis clos dans notre cœur. Mais de pouvoir le dire à notre épouse ou à l'enfant ou à notre proche, je m'excuse. Vraiment, ça c'est difficile. Zokande, pona koloba yango boye na miso abato epa ya mwasi na yo tope bana tope mozalani wanande tangu susu za la capacité pona moto alobete limbi sangai. Ne vous en faites pas. Oyo capacité. Encore mettons-nous sur le chemin, le Seigneur nous aidera, l'Esprit nous aiderons à prononcer ces paroles. Tozo akaka mokano ako micha na nzela molimo mosantu kolona biso akosunga biso po ete toloba malobo na pete. Et ceux qui écoutent ces paroles ou les tentatives, ils ne seront pas trop exigeants non plus, ils comprendront. Pe bato ako yoka maloba oyo bakozala bato ako simba makasite bakososola kama la moni ne zamposa motema. Nous sommes continuellement en préparation. Tango na tango tozali komibongisa. Semaine prochaine maintenant pour le pardon. Pona poso ezoya liboso kasi yambo dabo pona olimbisa. La chorale va nous aider à préparer nos cœurs pour le pardon de péché. Pona kobongisa nzela. Ensemble, nous voulons prononcer la prière que le Seigneur nous a enseignée. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous de mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Maintenant, je vous annonce l'heureuse nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. Et la paix de ressuscité soit avec vous tous. Amen. Amen. Merci, cher Père Céleste, pour le pardon que tu nous donnes. Pour cette paix qui envahit aussi nos cœurs. C'est une consolation. Et qui nous permet de ne plus avoir honte. De ce pardon, nous recevons aussi la force. De ne pas désespéré. Mais pour dire, il y a encore de la chance.
Par le sacrifice de ton fils, nous avons été à nouveau lavés complètement. Et nous pouvons être parés comme une épouse. Apprêté pour le retour du Seigneur. Nous voulons faire tout à rester dans cet état. Aide-nous en cela, cher Père Céleste. Bénis ton peuple. Nos frères, nos sœurs qui se mettent sainte œuvre. Tu connais aussi leurs soucis, nous mettons ça aussi entre tes mains. Protège ceux qui œuvrent aussi pour nos soins corporels. Qu'ils puissent recevoir de toi aussi une protection particulière. Nous prions pour le pays, pour la ville, les différentes villes ici. Pour les champs. Nous prions pour les autorités. Accorde ton aide et toute sagesse. Et permets qu'ils sentent, ressentent ta présence et aussi ton esprit qui les guide. Surtout, cher Père Céleste, sois avec nos jeunes. Ceux qui veulent étudier à la fois ici-bas. Mais ceux qui ont pris aussi un retard pour leur formation spirituelle. Permet à ce qu'ils puissent garder l'intérêt et pousser des racines profondes dans l'œuvre. Et aide les jardiniers qui prennent soin de ces petites plantes. Afin qu'ils puissent faire la bonne chose. Nous te demandons ça au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voulons clôturer le service divin. Et... Cher Père Céleste, à la fin de ces moments, merci. Pour parole, pour grâce, pour le pardon, pour cette union d'esprit malgré la distance. Cher Père Céleste, garde-nous ensemble. Nous t'apportons nos offrandes de différentes façons en ces moments. Mais que ta bénédiction puisse rester là-dessus. Tu vois toutes choses, les sacrifices, l'amour de tes enfants. Les différentes interventions, ce n'est pas important que l'homme les voit. Car c'est fait en amour envers toi, mais bénis cela. Prépare le chemin pour dimanche prochain. Et la visite éventuellement de ton serviteur dans ce pays. Qu'une bonne planification puisse être faite pour cela. Oh, si ton fils vient, cher Père Céleste, en ces moments, on n'aurait pas besoin de ces plans. C'est pour cela que nous t'implorons que tu puisses l'envoyer rapidement. Et de faire en sorte que nous soyons tous prêts pour son arrivée. Que ta grâce puisse couvrir les nombreuses fautes qui nous restent encore. Mais s'il te plaît, cher Père Céleste, envoie-le vite. Nous te demandons ça au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bonzenga ya nkolo na biso Yesu bolingo ya nzambe tata pe bokanga mina molimo mosantu ezala na bino banso. Amen.
Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Et chers invités, vous êtes toujours les bienvenus. Si Dieu permet, même canal, même moment. Sauf pour dimanche prochain. Suivez les annonces que vous allez recevoir des apôtres et sur Facebook ou quoi, on va vous informer exactement l'heure et le moment. Que Dieu vous bénisse, nous bénisse tous. Jusqu'à ce qu'on peut se revoir. Chorale, s'il vous plaît.